Ils étaient plus d'une quinzaine de dirigeants africains qui ont effectué le déplacement d'Abuja pour répondre à l'invitation des autorités nigérianes à participer à la cérémonie d'investiture de Bola Ahmed Tinubu, qui succède à Muhammadu Buhari. Au nom des dirigeants africains, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'instant est mémorable car ce premier mandat de Bola Ahmed Tinubu à la tête du Nigeria s'inscrit dans la continuité de l'œuvre réalisée par son prédécesseur, Muhammadu Buhari, qui a rempli ses deux mandats constitutionnels. Tinubu et Buhari, deux personnalités nigérianes du même bord politique, c'est-à-dire le Parti Congrès des progressistes. À Eagle Square, devant la population venue nombreuse, ce lundi 29 mai 2023, l'ancien gouverneur de l'État de Lagos avance vers le podium dressé pour la circonstance. Il est accompagné, entre autres, du président sortant. Devant les juges de la Cour suprême, le 16e président de l'histoire du Nigeria indépendant prête serment. Il promet respecter la Constitution, préserver la paix et l'unité nationale, sans oublier les valeurs démocratiques de ce pays, à la fois première puissance démographique et économique d'Afrique. Après le départ de l'ancien président, le nouveau s'installe dans le commande-car et passe les troupes en revue. C'est ainsi que Bola Ahmed Tinubu endosse sa veste de chef suprême des armées nigérianes. La sécurité fait partie des défis prioritaires de cette République fédérale de 36 États souvent confrontés aux attaques djihadistes et bien d'autres menaces sécuritaires. Autre défi à relever pour ce président âgé de 71 ans, relever une économie en ruine, faire face à la refonte de la monnaie locale et combattre le taux de chômage élevé chez les jeunes.